Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Theme Hospital pardon, et un nouvel hôpital donc après la victoire sur la dernière mission qui a été quand même relativement dure, mais bon, je m'en suis sorti. Donc là, comme vous voyez, on commence à avoir des hôpitaux de taille conséquente. Je vais enlever la pause. On a 6 bâtiments. Alors, je sais pas pourquoi celui-là est pas il n'y a pas de numéro, il n'est pas rouge celui-là, je sais pas pourquoi. Est-ce que... Bon, c'est étrange. Faut pas non plus que je me pose des questions pendant 2 heures parce que le temps passe. J'ai mis la vitesse... ouais, slowest, c'est bon. Ok, donc je peux d'ores et déjà, je crois, m'acheter la suite. Ok. Alors, les urgences arrivent d'ici. Donc je pense que dans cette pièce, je vais mettre les traitements. Les urgences arrivant ici, je vais mettre les traitements en priorité dans cette pièce. Et les diagnostics dans celle-là. Alors, bilan de la dernière mission. J'ai eu des problèmes d'accueil. Donc il faut tout de suite que je passe à deux hôtesses d'accueil. Du coup, j'aurais pas forcément beaucoup de queues si j'en ai deux. Ça devrait le faire. Ouais, j'espère. J'ai quand même prévoir peut-être plus large. Non, si j'en ai deux, normalement c'est bon. Ça devrait bien se passer. C'est relativement rapide. Enfin, j'espère. Sinon, je serai dans la merde, comme d'habitude. Non, on verra ça. Alors, ensuite, il faut aussi que je prévoie des larges salles d'attente. Enfin, plus larges qu'avant, en tout cas. Donc, diagnostic. Je vais commencer par deux. Je vais embaucher ma première hôtesse d'accueil. En fait, ce que je veux voir, c'est la place qu'il me faut derrière. Ok, ça va. Ah, évidemment, le problème, c'est que commence à faire des annonces. Forcément. Alors là, la taille de base c'est ça. Ah, c'est même ça la taille de base, donc je vais partir sur ça par exemple. Une petite fenêtre ici, pourquoi pas. Alors, on va optimiser ça. Je pense que là ce sera tout aussi optimisé. Un radiateur, des plantes, une poubelle. Ça, c'est classique. Ensuite, je vais en caser un autre, évidemment. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour cette installation. De toute façon, faut quand même que je me grouille parce que sinon l'hôpital va ouvrir. Alors que tout ne sera pas prêt. Alors, radiateur, plante, hop. Ok, je crois que ça vaut le coup d'en faire un troisième désormais. Ou alors, je vais d'abord caser le traitement clinique, celui-là. Je crois que je vais caser oui, ça. Voilà, j'ai fait la pièce peut-être un peu grand. On remarque qu'il y a quand même du matos à caser là-dedans. Donc pourquoi pas. Pas de besoin de fire extinguisher. Je crois pas que ce soit un matériel qu'on puisse réparer. Ceci dit, je dis ça, mais je me souviens plus du tout. Non, non. Ok, au bout... qu'est-ce que je pourrais mettre au bout? J'ai pas beaucoup de place. Hein. Je crois qu'un psy, ça va être un peu difficile. Du coup, je vais peut-être mettre juste le cardiogramme. Alors le psy, ça prend beaucoup de place, donc... Ah, remarque. C'est peut-être bon. Ouais, le psy prend beaucoup de place parce qu'il a beaucoup de matériel en fait. Quand on achète tout, il y a le squelette, l'armoire. Donc c'est vrai qu'il faut... Et puis il y a le paravent, c'est vrai.
ça va là. Il y a beaucoup de choses à caser, hein. Ah, puis c'est chiant parce qu'il se tourne pas dans tous les sens. Ok, bon, c'est un peu le bazar ce bureau, mais c'est pas grave. Donc, ensuite, ça va être dur de s'organiser. Il faut, comme je l'ai dit, une salle d'attente un peu plus grande. Alors, il va me falloir le ward. 1, 2, 3, 4. Je pense que 4 c'est pas mal. Ça fait beaucoup quand même, fait chier. Ouais, je crois que c'est nécessaire quand même. Quand ça devient vraiment très fréquenté, c'est chaud quand même. Alors non, je vais faire un peu plus grand peut-être. Ouais, là je mettrais des toilettes sans doute. Ok, c'est parti. L'ouverture ici. Ok, alors je vais tourner sur. Alors, je crois que j'ai pas besoin de fire extinguisher ici. Je vais tourner sur 4 lits peut-être cette fois. Je sais pas si je vais pouvoir caser 4 lits d'ailleurs parce que j'ai fait petit en fait. On verra. Ça va être chaud pour les 4 lits. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Peut-être que 3 suffira. À la rigueur, je pourrais toujours changer la pièce de place. Enfin, surtout que là, j'en avais acheté carrément 5. Bon, c'est pas grave. On verra pour 3. C'est pas non plus la pièce la plus fréquentée, faut bien le dire. Ensuite, il faut quand même que je place des toilettes. Ok. Alors, radiateur, plante, bin, deux toilettes, deux éviers. Ok, et parfait. Ensuite, alors évidemment, il va me falloir au moins un autre psychiatre déjà dans cette pièce-là. Alors, un autre psychiatre. Je vais le faire partir d'ici. 1, 2, 3, 4, c'est ici. Comment je ferme mon affaire? Donc ici, je vais faire 3 d'espace seulement. Là, il y a une porte ici, hein, faut que je méfie. Voilà, je pense que c'est assez pour un psychiatre, et puis là, je vais pouvoir mettre autre chose. Allez, c'est parti. Remarque, non, c'est pas assez pour un psychiatre, ça, je dis n'importe quoi. Psychiatre, ça prend vraiment beaucoup de place. Il faut que je fasse un peu plus grand. Enfin, j'ai tout ça à acheter, hein, comme la dernière fois, donc. C'est vrai que ça fait grand. Ça fait beaucoup de choses à mettre dans une petite pièce. Ok, là c'est pas mal. Ensuite, ici, il me faut. alors, question de diagnostic. Il me reste pas mal de choses à mettre. J'ai pas fait le cardiogramme. Ouais, c'est bon. Cardiogramme avait peut-être pas besoin d'être aussi grand, mais bon, c'est pas grave. De notre côté, c'était la place que j'avais à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Ensuite, il me faut d'autres généralistes, je pense. Il m'en faut au moins un autre ici. J'aimerais bien que ça corresponde. Genre comme ça. Et là, j'étais trop loin. Sérieux, j'ai du mal. 4 de large, voilà.
Ouais, ce que je vais faire, je vais faire un de plus. Comme ça. Et là, j'arriverai, je pense, à caser autre chose. On verra ce qu'il en est. Je sais pas, je trouve un peu petit ce bureau. Non, en fait, il doit faire à peu près la même taille que les autres, il n'y a pas de souci. Ensuite, ouais, pour ce qui est des diagnostics, je pense qu'on est pas mal. J'ai deux psys. Alors, le psy, c'est diagnostic et traitement, hein, évidemment. Ok, donc en fait, je garde cette pièce-là pour les diagnostics, on en aura peut-être besoin. Et je vais commencer à passer à autre chose. J'ai envie de faire les deux infirmières, les deux cliniques ici. Non, comment ça s'appelle déjà? Pharmacie, pardon, je cherchais le mot. Ah merde, ça rentre pas évidemment. Ah si, c'est bon. Mais là, on peut rien rentrer dans. La pièce est trop petite, je crois. Déjà, celle-là, je la trouve super petite. On va voir ce qu'il en est. Alors, les urgences pourront arriver d'ici, donc ce sera vraiment pas loin de la pharmacie. Comme il y a quand même une grosse partie des urgences qui sont des urgences de pharmacie, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, par contre, ça dépasse quoi, c'est nul. Et là, on peut rien casser on peut rien caser dans ce petit passage. J'ai pas l'intérêt de nous avoir fait ça. Bande de chiens, ils l'ont fait exprès. Ouais, comment je fais moi? Je laisse tout cet espace-là de vide, c'est quand même dommage. Non, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, mais c'est juste ennuyeux, quoi. Enfin, c'est dommage. Bon, je vais en faire qu'une ici, je crois. J'aurais bien aimé les mettre ensemble quand même. Ah, j'ai changé mes plans. Faut que je me grouille quand même parce que le temps passe. Pourquoi j'arrive pas à la sélectionner? Ok. J'ai essayé de les caser là. Ouais, faut pas non plus que je fasse trop serré. Alors ça va pas rentrer ici. Non, non, franchement, là, ils étaient bien. Il faut juste que je dépasse un peu quoi. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, j'ai vraiment l'impression que j'ai beaucoup d'espace dans cet hôpital. Il est grand quand même, hein. Donc je vais prendre mes aises. Là, je ferai autre chose ici. Je sais pas encore quoi, mais on verra. Ensuite, il me faut la chirurgie, on va passer au traitement. Voilà, honnêtement, la chirurgie n'a pas besoin d'être super grande non plus. Ouais, faut quand même que j'arrive à caser. Ok. Ok, et j'ai tout ça à caser quand même. Ouais, je pense que je vais pouvoir les mettre le long du mur. Parfait. Ensuite, dans les traitements, j'ai ces deux-là à caser tout de suite. Ouais, c'est des toutes petites pièces, ça. Ouais. Je crois que je suis obligé de prendre mon espace, un peu mes aises. C'est pas pratique, hein. Dans le fond là peut-être, mais du coup c'est loin. Ouais, et puis c'est grand. Hein. Putain, il m'oblige à prendre des pièces beaucoup plus grandes en fait. Ouais, c'est pas grave. C'est parti. Ce qu'il y a, c'est que des pièces grandes comme ça, j'en aurais besoin après pour genre le scanner et tout ça. Je vais les mettre ailleurs. Pharmacie, ward, psychiatrie,
Ok, bon, c'est pas grave. Je vais faire un peu plus grande. Alors, de toute façon, celle-là, il faut qu'elle soit un peu plus grande parce que, mine de rien, à chaque fois, j'ai du mal à tout caser avec la taille qu'ils ont prévue de base. Donc, c'est pas trop trop grave pour celle-là. L'autre, par contre, c'est vrai que, en général, je peux la faire toute petite, je sais pas pourquoi. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Ça va faire beaucoup d'espace de perdu parce que là, je peux rien caser ici, hein, ça, c'est clair. C'est pas grave. Ok. Ensuite, j'ai envie d'acheter une nouvelle salle. Bah, du coup, j'ai pas trop le choix. Celle-là, je vais pas pouvoir l'acheter. Faut que j'emprunte. D'ores et déjà. J'ai acheté celle-là. Ok. Et ici, je vais caser donc tout ce qui est technique entre guillemets, c'est-à-dire le training, le research department. Donc du coup, ici, je peux faire des couloirs beaucoup plus étroits, on s'en fout. Alors ici, ce sera le research department. Alors, autopsie. Où est-ce que je peux caser ça? Là, c'est parfait. Ah, j'ai pas besoin de Fire Extinguisher. Par contre, j'ai besoin de tout le reste, je pense. J'espère que j'aurai où caser mon ordinateur quand il sortira. Ouais, je pense que oui. Ensuite, j'ai deux bâtiments importants à caser. Le training, ça peut être plus petit, mais par contre, le staff room, faut vraiment que je le fasse grand cette fois. Voilà, merde. Voilà, je vois grand parce que la dernière fois, c'était vraiment ridicule. Et du coup, ça m'a valu des soucis, je pense. Voilà, ça, c'est une pièce qui va me coûter bien cher. Ok, c'est parti. Alors on va les mettre là par exemple. Radiateur, faut que je case les deux. Ok. Et donc là quand même j'ai de quoi fournir à mes docteurs tout ce qu'il faut pour se reposer. Et puis là je vais finalement quand même mettre quelque chose. Hein. Alors j'ai encore le training à mettre quelque part, mais le training c'est tout petit quoi, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de place. Ouais, ça fait grand pour le training ça. Pour l'instant je vais me mettre là. Ça c'est bon. En général, alors, il faut quand même que j'achète tout. Je prends qu'une lecture chère. Au minimum, j'aurai, enfin, au maximum, j'aurai deux apprentis docteurs. Vraiment pas la peine de faire. Ça, par contre, je sais pas si je vais pouvoir le mettre quelque part, bordel. Non. Il va falloir que je fasse un peu plus grand, je crois. Une fenêtre, je sais que le docteur aime bien les fenêtres. C'est parfait. Ensuite, je crois que je suis pas trop mal. Donc j'ai 3 GP pour l'instant, c'est bon. General Diagnostic, c'est bon. Cardiogramme, psychiatre, ward, c'est bon. Traitement, j'ai tout ce qu'il faut. Clinique, bah pour l'instant il n'y a pas grand chose, j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Il faudra que je casse des toilettes quelque part ici. Il y aura quand même pas mal de salles, donc je vais les faire tout de suite, j'ai plus d'argent. J'ai pas trop fait de dettes, je trouve.
Ah, c'est parce que j'ai pas fini en fait, c'est pour ça. Il me reste pas mal de choses à acheter, c'est pour ça que pour l'instant. J'ai pas trop fait de dettes, mais ça va changer bientôt. Alors ici, ici. Ok. Alors, ce qui me manque, c'est évidemment tout ce qui va à côté, c'est-à-dire les bancs. Je peux tout de suite en faire 10, je crois. Dunking machine, 5. Radiateur, pour l'instant, 3. Et les plantes, une petite dizaine. Alors, les bancs. Je crois que je vais les mettre le long, hein. J'ai pas encore trouvé la meilleure solution. Je me dis que le long, ça gêne moins la circulation. Alors, il m'en faut ici aussi, évidemment. Ok, drinking machine. Alors, partout où il y a des endroits où on va attendre. Tiens, là, j'ai oublié. Il faudra que je rajoute des bancs. Là, ah, par contre, là, on va attendre aussi. Alors, les radiateurs, c'est là où il y a des grands espaces. Ici, par exemple. Ici. Ici. Et les plantes, bah, c'est un peu partout. Ici, pourquoi pas. Ici. Pour l'instant, j'achète que ça. Est-ce que j'en mets là où il y a mes docteurs? J'en sais rien en fait. Je pense que oui. J'en ai plus. Ah bah, de toute façon, j'ai plus beaucoup d'argent, il faut bien le dire. Ce qui me manquait, je crois, c'est des bancs à un endroit. Merde, j'avais vu un endroit où il n'y en avait pas, c'est ici. Ok. Ensuite, le personnel. Alors, ça, c'est autre chose. Est-ce que je vais avoir ce qu'il faut? Donc là, j'en ai une qui est bien. Il m'en faut deux au début. Je vais ouvrir l'hôpital. Donc je crois que c'est à peu près la plus compétente. Non, celle-là, ça va. L'entretien. Je vais essayer de faire autrement. J'ai essayé de les spécialiser parce que souvent quand même. Ouais, peut-être. L'ennui c'est qu'il y a à faire que ça et au début il n'y a rien à réparer forcément. Merde. Lui il va arroser les plantes. C'est pas très compétent, j'aurais dû choisir en fait. C'est pas grave. Ok, ensuite les. Docteur. Alors j'ai un chirurgien. Espérons que j'en ai deux. J'ai un psy. Ah putain, évidemment, j'ai pas deux chirurgiens. Et lui, il peut pas enseigner, donc là, je vais avoir un problème. Comment il se propose, comment le jeu se propose de me résoudre mon problème, je sais pas. Putain, j'ai personne qui peut enseigner, super, ça promet un super démarrage, ça. J'ai personne qui peut faire de la recherche non plus. Ah, sympathique. Bon, je verrai ça. Pour l'instant, je vais faire une pause et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.